Et bonjour à tous, on se trouve pour la suite des aventures de Tales of Symphonia. Dans l'épisode précédent, on avait battu une sorte de créature maléfique qui se faisait passer pour l'esprit originel du vent. Du coup, on va aller retrouver Rain, qui est normalement chez Linar. Et on avancera un peu plus dans l'histoire. Juste à temps, je viens de finir de déchiffrer ça. Le professeur est extraordinaire. Elle vient de déchiffrer l'écriture complexe de Balakruf en un temps record. Hé, le fan club de Rain compte un nouveau membre. Elle est forte, hein? Oui. On dirait que le monstre était la cause des calamités qui ont frappé l'antique empire de Balakruf. Il semble que l'invocateur de l'époque se soit servi de Sylph, l'esprit originel du vent, pour l'enfermer, puis et poser cette dalle de pierre dessus pour faire cesser les calamités. En prévision du jour où les calamités reprendraient, il a laissé ce plan pour que ses successeurs retrouvent l'esprit originel du vent. Après de nombreuses années, les gens ont confondu calamité et esprit originel du vent. Tu sais donc où se trouve l'esprit originel du vent? Bien sûr. L'esprit originel se trouve là où est le sceau suivant. Oh, je me demande à quoi ressemble l'esprit originel du vent. J'ai hâte de le voir. Maintenant, nous pouvons enfin régénérer le monde. Régénérer le monde? Maintenant que j'y pense. Pourquoi êtes-vous venu dans cette ville? Vous n'en semblez pas des touristes ordinaires. Très bien. Si nous connaissons notre prochaine destination, mettons-nous immédiatement en route. Oui. Il est probable que le sceau se trouve dans le mausolée de Balakruf. D'accord, allons-y. Eh bien, prenez soin de vous. La pauvre, on lui a même pas répondu. Du coup, on a récupéré Rain. Est-ce que j'ai pas un truc à lui donner à Rain? Un peu plus de magie. Hop là. Est-ce que j'ai de nouvelles capacités à apprendre? Tombe à apprendre? Ouais. Faire ça. Estoc démoniaque. Lame de tigre démoniaque. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok, il faut juste qu'il fasse des doubles crocs démoniaques. Un grand chariot. Moi je vais laisser juste taper normalement. Je suis enlevé celle qu'elle maîtrise déjà. Je suis enlevé. Capacité qu'il connaît déjà très bien. Et Rain. Purification et bouclier. Bouclier, j'aimerais bien. En vrai, je peux l'enlever pour l'instant. Mettre Rain à la place. Fais en sorte que Lloyd fasse ça. Rain va faire des barrières. とんだ風のせいでだったな。でもおかげで本当の封印の場所が分かったんだからいいよね。そうだな。次の封印はどんなところだろうな。 ちょっと怖い気もするけど、ロイドがいるから大丈夫だよね。おう、俺に任しとけ。うん。
Est-ce que j'ai assez d'objets? J'ai... Ouais, j'ai assez d'objets, je pense. Est-ce que je peux juste utiliser encore tout ce que j'ai? Trois fioles vitales de plus, on sait jamais. Et du coup, normalement, c'est parti pour le mausolée de Balakruf. On va se faire aussi quelques combats sur le chemin. Oh, les PM de Lloyd ont fondu en un seul coup, quoi. Va falloir que je farme un petit peu. Ça devrait pas durer très longtemps, le temps de farmer un peu les capacités de Lloyd. Comme ça, il pourra prendre ces deux techniques, lame de tigre démoniaque et estocade démoniaque, je crois. Par contre, j'aimerais bien que Rain puisse avoir sa barrière. Barrière ou bouclier, je sais plus. Il en a combien, Lloyd? 38. Ah, ça va être un peu long en vrai. Oh non, pas un autre freeze. Désolé. アジンケン、トーガ。アジンケン、トーガ。アジンケン、トーガ。アジンケン、トーガ。アジンケン、トーガ。アジンケン、トーガ。バリア。アジンケン、トーガ。アジンケン、トーガ。バリア。了解よ。それ任せとけ。無駄よ。アジンケン、トーガ。 Ok, donc ça c'est bon. Enfin, je vais tout lui apprendre. Enfin, je vais tout lui redonner. Il devrait l'apprendre automatiquement après. Il ne reste plus que la nautique démoniaque. Parfait, ça. Je trouve que la prenne encore son bouclier. Exactement, Kratos, et voilà. On va se soigner et c'est parti pour le mausolée de Balakruf. Là, Lloyd, il a appris toutes ses capacités. Il reste plus grand chose. Et c'est parti. Le truc que je vais faire. J'utilise une petite fiole sacrée.
Comme ça, les monstres, ils vont pas m'attaquer. Anneau de frappe. Alors. Cet anneau rend son porteur plus disposé au type F. C'est... Par exemple, là, vous voyez que Kratos est type T. Si je lui mets l'anneau de type F, il sera plus disposé à devenir de type F. C'est un équipement qui aide à ramener un personnage dans un certain type. Monte par l'escalier central et présente la carte sur l'hôtel. Oui, professeur. Donc, s'il existe un anneau de type F, il existe un anneau de type T. Oh, 1800 flouzes. Est-ce que tu vends des trucs? Non. Ça a l'air de répondre à la carte de Balacruf. C'est une pierre d'oracle. Comme nous le pensions, c'est un sceau. Bon, je vais poser ma main dessus. Dépêchons-nous et finissons-en. Oh, c'est trop fort. J'ai l'impression d'être un explorateur. Tu es toujours enthousiaste au début. Je peux entendre le souffle du vent. Effectivement. Croc de bête. On va pas le libérer. Corinne! Voyons voir. Est-ce que j'ai... Je crois que j'ai rien à mettre sur mes personnages. Stratégie. Donner photon quand même. Ça plus paraboule. Et le reste on devrait être bon. Ici, on a plume d'ange, bleu croc. Le lame de tonnerre. Parce que j'ai pas ce qu'il me faut. Est-ce que... J'ai deux looks magiques. On va s'en servir. Nous sommes enfin à l'hôtel. J'en ai assez des donjons.
Tu n'as aucune patience. Attendez, je sens un mana incroyable. L'Apix. Du coup, c'est parti. C'est pas exactement ce que je voulais. Oh non, je l'ai loupé. Bon, ça va, on a fait une bonne partie.
élu de la régénération. Je te félicite d'être parvenu jusqu'ici. Maintenant, offre tes prières à l'autel. Oui. Ô déesse Martel, grande nourrice et gardienne de la terre, accorde-moi ta puissance. C'est le troisième saut. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, élu Colette. Merci. Reçois cette bénédiction, le don de pouvoir des anges du Ruxy. Oh, oui, père. Merci. Le prochain saut se trouve loin au nord-ouest, dans un endroit qui contemple le centre du monde. Offre tes prières à l'autel de cette terre lointaine. Je vais faire ce que vous dites, Seigneur Amiel. Je t'attendrai au prochain saut, Colette, ma fille. La fin du périple est proche. Deviens vite un vrai ange. Ne me déçois pas. Un vrai ange. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Je me disais juste que quand je deviendrai un vrai ange, ça sera super. Je me demande combien il reste encore de sauts. Ça, nous ne le savons pas. Quoi qu'il en soit, nous devrions continuer. Ouais, on est complètement soigné en plus. Ok. Ok, ça c'est fait. Aïe. Cette voix. Oh non. Le jour est enfin arrivé. Cette ruine ancienne sera votre tombeau. Oh, tu es là aussi. Reculez, ne bougez pas, ne touchez à rien. Maintenant que nous sommes devenus amis, pourquoi est-ce que nous devons nous battre? Depuis quand sommes-nous? Je n'ai aucune intention de sympathiser avec vous. Préparez-vous. Préparez-vous. みんなのためにも戦う。エンジェルフェザー。ボトン。終わらなくてよ。今よ。旋風光波。マジンテン。戦風光波。 マジンケン、そうが。マジン、どう外れ。受けろ。マジンケン。それ。マライボー。邪魔をしないで。真空裂断。うざい。いくわよ。ファーストエイド。マジンケン、真空裂断。任せて。マライボー。マジンケン、そうが。作れ。
Allez, il en reste plus qu'un. Voilà. Zosamonai, Sakio Isogo. Ah, pourquoi j'ai encore perdu? La bonté et l'amour l'emporteront toujours. Jenny, arrête avec ce dicton nain à l'eau de rose. La bonté? C'est vers quoi la bonté? Si vous êtes bon, alors moi aussi je le suis. Non, pas toi non plus. Arrête avec ces imbécilités. Qu'est-ce que tu en sais? Quand tu régénéreras le monde, mon monde sera détruit. J'empêcherai que ça arrive, je le jure. Attends, de quoi tu parles? Si je régénère le monde, tout le monde sera sauvé, non? Ce monde-ci sera sauvé. Arrête, qui es-tu? Alors tu n'es pas seul. Ce monde-ci, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Cette fille est-elle? Tu la connais? Non, partons d'ici. Coretto! Tensi shikkan, ne? Hayaku yoko ni shite agemashou. Daijoubu ka? Mata... meiwak kakechou ne. Ya... sonna no heiki dakedo... もう何やってんだよ。これと大丈夫？どうしたの？これと痛かった？どこか怪我したとか？ううん、何でもない。ぼーっとしちゃった。コレット、手を見せてみろ。え、どうしたの？いいから。怪我してるじゃないか。さっき転んだ時だろ。こんなに血が出てる。でも、痛くないから。え？あ、違うの。あんまり気にならない程度だからってこと。コレット、ちょっといいか。どうしたの？突然。たまには二人っきりで話してもしようと思ってさ。ロイド。これ、ホットコーヒー。ありがとう。熱いだろ。熱々だね。それアイスコーヒーなんだ。え？ジーニアスに冷やしてもらった。あ、そうだよね、冷たいもんね。嘘、本当はホットなんだ。やっぱり。お前いつからだ、何にも感じなくなってるじゃねえか。嘘つけ。さっき転んだ時にはもう感覚がなかったんだろう。それはあんなに血を出してるのに俺が手を握っても平気なんておかしいだろう。バレちゃったんだ。最近お前飯食ってないし。食べてるよ。本当に数えるほどだろう。
それに嫌いなものまで食うようになったし、それだけじゃないぞ。お前寝てるか？寝てるよ。ほら目も赤くないし。もう俺に嘘つくな。お前昔から嘘つくときは愛想笑いするんだ。違う。俺はそんなに頼りにならないのか？違うよ。だって心配かけたくなかったから。何があったんだ？わかんない。わかんないけど、最初におかしくなったのは火の封印を解放した時だよ。急に何も食べたくなくなったの。食べ物食べても味がしなくなった。味がしない？無理して食べると戻しちゃうからあんまり食べないでいたんだけど、でもいつまで経ってもお腹が空かないの。それ次の封印を解放したら、今度は全然眠くならなくなった。目を閉じてもどうしても眠れなくて、それ以来ずっと寝てない。それでこの封印でとうとう何も感じなくなって。どうして、どうして言わなかったんだ？だってきっとこれが天使になるってことなんでしょ？そしたらこれぐらいでうろたえてちゃダメなんだって。これが天使になる？食べなくなって眠れなくなって何も感じなくなることが。あ、でも目は良くなったの。すっごく遠くまで見られるようになったし、音もね、小さな音までよく聞こえるよ。聞こえすぎて少し辛いけど。ごめん、今まで俺全然気づかなくてごめん。みんなには言わないでね。どうして？だってせっかく一緒に旅してるんだもん。楽しくしていたいから。だからロイドも気にしないで。バカ野郎。ごめんねロイド。せっかくロイドが私のために泣いてくれてるのに。すごく嬉しくて泣きたいくらいなのに、私涙も出ない。ごめんね。Et bah c'est super. Du coup moi je vais m'arrêter là, juste après avoir terminé le troisième saut. Du coup bah, je vous dis merci d'avoir regardé. À la prochaine. Tchuss.